L'indépendance, bien sûr, c'est un point très, très, très important. Vous avez dit, c'est garanti par la loi. Ça, c'est important. Mais je pense que vous avez dit aussi éthique et morale. Ça, c'est important. Et je voudrais ajouter aussi politique. Alors, on a aussi besoin de volonté politique pour laisser la Commission faire son travail dans l'indépendance. Il y a toujours le risque d'une politisation, et ça serait très grave pour le travail de la Commission. Alors, oui, garantie par la loi, mais aussi les choses éthiques, morales et politiques. Et deuxièmement, la relation avec la situation actuelle, c'est peut-être... je suis d'accord avec votre analyse que le travail professionnel et indépendant de la Commission CVR avec la population, afin que la population puisse s'exprimer, que la vérité vient de la population, que cette commission est une commission très importante qui va contribuer à la stabilité et la paix au Burundi. Mais c'est un peu dur de s'imaginer que la commission peut réussir dans ses objectifs s'il n'y a pas aussi une sortie de la crise actuelle du pays. Alors, réconciliation avec le passé, c'est important, c'est le plus important. L'impunité ne peut pas rester, mais de le faire dans une situation où, dans l'actualité, la crise continue. Alors là, notre espoir, mais ce n'est pas nouveau, est que le Burundi et les Burundais vont trouver la sortie de la crise parce que ça va aussi contribuer beaucoup à l'efficacité et les résultats de la commission CVR.